soir, on est au lancement du Nord de l'Aigle dans le sud-ouest de Montréal. C'est un impressionnant projet immobilier qui comprend 1000 unités et qui sera construit en trois phases. Nord de l'Aigle, c'était une compagnie électrique. On a essayé de faire quelque chose d'un petit peu original. Évidemment, on a un bâtiment historique plein de caractère. Donc, on a des lofts authentiques qui sont des appartements qui se situent à l'intérieur du bâtiment existant. On va avoir des condos sur des étages multiples avec des terrasses privées, maximiser l'espace, mais la hauteur de plafond, les vues, tout ça, ça a vraiment été mis en valeur. On va également construire une nouvelle partie, une nouvelle construction qui va venir se greffer à la partie existante et c'est ce qu'on appelle les condos urbains. À quel genre d'unité on peut s'attendre du projet Nord de l'Aigle? Des unités avec fenestration qui est très généreux, un aménagement qui essaie de profiter de tout cet éclairage naturel. Par la suite, on monte sur le toit et on a des immenses terrasses privées avec des vues exceptionnelles sur l'est de Montréal. Mais on a des lofts, on a des condos de 500-600 pieds carrés avec une chambre, on a des 800-900 pieds carrés de deux chambres à coucher, on a également des 1200, 1300, 1500 pieds carrés. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses aussi. Dans le même immeuble, on trouve également des bureaux qui sont restés, qui sont là. On va avoir un espace commercial au rez-de-chaussée qui va être très, très, très développé. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu un « mixed use ». Il y a une très belle dynamique au niveau de l'immobilier à Montréal, donc je m'intéresse à plusieurs projets, mais celui-ci particulièrement, tu sais, j'aime beaucoup le fait que la bâtisse de briques rouges, c'est la plus grosse bâtisse de briques rouges en Amérique du Nord. Je pense que le positionnement aussi est vraiment intéressant, les vues sont imprenables. Et avec le nouveau développement aussi autour du canal de la Chine, là, je pense que c'est un projet là, qui arrive au bon moment. Bibi, on assiste à un très beau lancement ce soir. On voit des gens masqués, des plumes par terre. Pouvez-vous nous expliquer le concept? En fait, le concept de la soirée est basé sur la campagne publicitaire pour le projet Nord de l'Aigle. On a décidé de faire une campagne sur des oiseaux. Donc, on a des corps humains avec des têtes d'oiseaux. Ces personnes-là se trouvent dans des condos, dans des lofts, sur la terrasse. Donc, on parle de superbes nids pour oiseaux rares. On a des photos avec des nids d'oiseaux avec 1, 2, 3 œufs pour 1, 2, 3 chambres à coucher. Et de ce thème-là, on a voulu évidemment développer et en faire le thème de la soirée. Je pense qu'on a une belle soirée. Ça fait quelques semaines déjà qu'ils moussent le lancement là, avec les billboards et tout. Fait que je pense qu'ils ont bien fait leur coup. Il y a beaucoup de monde, donc c'est intéressant. Ça donne un bon lancement au projet. Shakes. The music. Shakes.